Votre premier Sunnyside of the Dock. Le démarrage, c'était la Biennale du documentaire, 89, le Sunnyside of the Dock à Marseille. Êtes-vous plutôt Marseille ou La Rochelle ? Bah, les souvenirs de Marseille, c'est l'origine, c'est les combats, c'est la folie, c'est la joie, c'est l'amour, c'est un genre qu'on a toujours aimé, mais La Rochelle, c'est la suite. Quel est votre objectif à Sunnyside of the Dock ? Convaincre des partenaires de venir sur des films ambitieux, étonnants, uniques, généreux, qui ouvrent le regard sur le monde. Êtes-vous plutôt pitch ou happy hour ? Eh bien écoutez, je dirais plutôt happy hour. Je ne suis pas très pitch. Quel message adresseriez-vous à un professionnel du documentaire qui ne vient pas au Sunnyside of the Dock ? Venez, venez nombreux, parce que c'est ici que vous rencontrez tous ceux qui véritablement font et œuvrent pour le documentaire, à l'international, en France. Où peut-on vous trouver dans La Rochelle après le travail ? Au Petit Bleu, qui est un endroit absolument magnifique, avec un poisson absolument génial, grillé, frais et pas très cher. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et sinon, chez un glacier. 30 ans de Sunnyside of the Dock en trois mots, sans réfléchir. L'amour, la passion, le rêve, l'envie. Génial. À quoi ressemblera le documentaire du futur selon vous ? À ce qu'en feront les artistes, à ce qu'en feront les cinéastes, à ce qu'en feront les producteurs et les partenaires financiers. Un cadeau pour les 30 ans, une photo dédicacée d'Yves Janot ou une douzaine d'huîtres. Une douzaine d'huîtres et la photo d'Yves Janot, parce que je veux les deux. La question d'Yves, est-ce que vous rêvez encore ? Oui, toujours et à jamais. Et je mourrai en rêvant, parce que le rêve, ça fait avancer. Le mot de la fin ? Je vous aime et j'aime le doc. Et jusqu'à la fin de ma vie, j'aimerai le doc.